Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bataille. Sur Battle Sector, on affronte les Nécrons qui tentent de nous reprendre le point de ressources. Donc on est en défense, il va falloir donc qu'on aille courir jusqu'ici pour prendre le point. On a un déploiement assez mauvais, hein. Il y a beaucoup de trucs sur le chemin. Qu'en gros, il va falloir qu'on se faufile par là. Et je pense que je vais envoyer peut-être quelques unités ici, histoire de gagner du temps. Peut-être directement dans le Rhino. On va voir. Mais il va falloir qu'on se bouge dans tous les cas. C'est parti. Surtout qu'ils sont en attaque, donc ils vont jouer le premier tour. Donc selon comment on gère cette bataille-là, on va soit se renforcer, soit faire une amélioration et attaquer les orques. Voire attaquer les orques et faire une amélioration au cas où on n'ait plus d'armée, on ne soit pas obligé de se replier face au Nécron. Notre objectif roleplay est d'éliminer les orques, mais bien sûr on essaiera d'aller jusqu'à éliminer les Nécrons. Il y a du monde, ça bouge beaucoup. Ok, alors c'est parti, on prend nos petits flagellants et on les envoie devant. Hop là. Pas la peine de jouer la surveillance pour le moment. On court. Backé par une Célestine. L'hospitalière ici. Backé par une Célestine. Sort de bataille, sort de bataille, sort de bataille. L'exorciste. L'autre, on va l'envoyer par là, je pense. Donc, on va envoyer un petit tarco-flagellant ici. Pareil pour surveiller un peu, nickel. Alors normalement, c'est où qu'on voit unité 2 modèle 10. Ok, donc là il peut rien porter de plus le Rhino, donc il va falloir y aller à pied pour le reste. Envoyer, non, ici on est assez nombreux, il y a deux sorts de bataille dans le Rhino. Hop. On va mettre une surveillance devant au cas où, même si normalement ça devrait aller. Alors, qui reste? Toi. Pareil, on va mettre une surveillance devant. Là on a une sœur supérieure qui peut faire une petite surveillance. Toi aussi, des Célestines. On va couvrir les arrières au cas où. Et il reste une hospitalière ici. Et sinon que des arcos. C'est parti. Donc il n'a pas encore atteint le point. S'il attendait un peu. Mais il a des bonus quand il se déplace. Hein, donc il va se déplacer vite. Et quand il va arriver en face de nous, il aura de l'impulsion. Ah vache, ils sont déjà dans la zone. Il faut pas qu'on traîne. On entend les petits marcheurs là. Il faut clac 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 clac. Ok. Voyons voir ce qu'on voit. Là on avance très agressivement. Ok, des mécanoptères, des nuées de scarabées, c'est pas très très cool. On va se mettre par là-bas pour pouvoir mettre un lance-flamme ici, s'il décide d'avancer. Avec tout le reste, on se place dans les coins, les séraphines sur le flanc, les séraphines ici. Pourquoi les envoyer là? En vrai, elles peuvent tirer ici. Hein. Elles peuvent même venir ici. Alors attendez, non, ouais, il faudrait un. Bon, on va les envoyer là du coup. Ouais. Vous ici, c'est très bien. Cette machine de pénitence. Elle est un peu loin, on va la mettre par là. Ici, on va refaire une jonction avec nos troupes.
le rhino. On peut le mettre là et décharger. L'hospitalière derrière. Là on est trop loin pour du missile. Hop, on se met en protection. Toi tu te tournes. Là on va protéger la sœur. Ils sont un peu loin. Donc c'est parti pour les couvertures. Toi tu vas te tourner mais tu vas pas couvrir. Ici, on se déploie. Est-ce qu'on pourrait avancer assez pour un missile? On pourrait au moins tenter un tir. 71, 61. Allez, c'est parti. Ça a combien d'esquive ça? 15, moins que les Gretchen, tiens. Ok, on les entame un peu. Toujours ça de prix, on va aller boucher les trous là. Et là, on va mettre de la petite couverture droit devant, puisque c'est droit devant que ça va jouer. Toi, tu vas mettre une surveillance ici. Ok, là on couvre. Les Séraphines ici, on couvre devant. La sœur. En surveillance, ici on va protéger, là on a tiré, là bah, on va surveiller ce flanc. Tuck, tuck. Vous voyez quoi? Pas grand chose. Bah. Couvrez donc ce trou, des fois qu'il y a des trucs qui volent, mais normalement ça devrait aller. Ok, on y va. Donc là ils vont gagner quelques points. Il faut qu'on avance, hein. Il va falloir qu'on prenne la zone, poursuive pardon. Mais je pense que là il a tracé avec ses unités les plus rapides. Oui. Oh, la vache, des miniguns plasmiques quoi. Comme ça pique. Est-ce qu'on va commencer à voir de la téléportation? Je pense que là il crame les zones de surveillance avec ses mécanoptères. Il a attaqué avant et ensuite il crame les zones de surveillance, c'est pas déconnant. Une stratégie coûteuse, mais il sait que j'en ai beaucoup. Des surveillances. Voilà, maintenant on peut éventuellement y aller s'ils veulent. On a eu 5 points quand même parce qu'on a réussi à tuer une unité. Ça, ça déclenche pas les surveillances. Il apparaît en plein dans ma zone de lance-flammes, ce salaud. Mais je crois que ça te crame leur point d'action, ça. Oh, coucou toi! Un souverain avec un faux char. C'est du pur mêlée, d'accord. C'est de la pure mêlée. 6 d'armure, 20 d'évasion, waouh! Violence du truc. Ok, va falloir qu'on lance flamise là. Oh putain! Ok, il va falloir qu'on nettoie là. Hein. Ah, ils sont passés dans la zone du missile. Allez, non, raté. Dommage. Ils peuvent ressusciter eux. Ouais, ils ont le protocole de réanimation quand même. Bon, ça veut dire qu'après la téléportation, ils ont quand même encore au moins de quoi se déplacer. Oui, on voit qu'ils ont 4 de mouvement alors qu'eux ont 0.
Waouh, il y a du dépeceur, hein. C'est un peu la teuf. Ok, les tireurs arrivent doucement. Alors là, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce qu'ici, il a tout ça dans la zone à la fin de son tour. Ça va nous mettre dans le mal. On va pas se mentir. Ok, alors voyons ça. Ici du coup, il y a une zone de contrôle. Il faudra qu'on arrive jusqu'ici. Et donc pour ça qu'on élimine celui-là. Ça me paraît une priorité plutôt valable. On pourrait les charger. On active la frénésie zélée, on les charge dans le dos. C'est pas mal. J'aurais préféré mieux, mais c'est acceptable. Où sont nos sœurs repentir? Elles sont là. Oh putain, ils reviennent. Espèce d'enfoiros. Lui, on va le mettre là pour pouvoir activer un petit serment de combat. On avance d'un cran pour avoir une meilleure portée, enfin une meilleure vision. Allez, allez. Oui, très bien. Ça c'est propre. Donc on va là avec toi, je sais, ça t'expose un peu. Mais t'inquiète pas, on va faire de la place. Et ils reviennent, quel enfer ces trucs. Allez. Prenons un peu de place. Là, 100% de chance de toucher. On avoine. Ici, on va avancer un peu agressivement avec elle, mais on va la baquer par des séraphines, par des célestines, pardon. Là, on peut pas. Zut, c'est un problème. On va les baquer, on va la baquer en allumant. À la place. Ok, ça c'est fait. Là on aura une attaque si on bouge. Là on a des séraphines ici. On va les mettre par là-bas dans l'espoir d'éventuellement mettre une petite zone de feu sur lui. Il nous reste des trucs derrière. Il nous reste une hospitalière ici. On pourra l'avancer jusque là pour finir lui. 25 PV, il y a peut-être moyen qu'elle s'en occupe quand même. Ouais, même pas, hein. Faire un coup de bol. Non. Allez, deuxième. Oh putain, 3 PV quoi. C'est pas possible. On active la frénésie, on charge là. Faut y aller. D'ailleurs, peut-être même vous allez là. On va activer le sermon. Vous ici, allumez-moi ces enfoirés. C'est honnête. Ils reviennent à la vie, mais bon, ça c'est pas votre faute, on va dire. L'autre machine là, il y aurait moyen d'éventuellement. Là on bouge. On prend une attaque, tant pis, voilà. C'est pas ça qui va nous faire mal. Voilà, 3 PV, c'est acceptable. Et toi tu viens ici. Assurer un peu les avances là. Et tu crames ces cons. Il y en a un qui revient. C'est chiant mais c'est acceptable. Ouf.
plaît. Allez, pas assez de points d'action. Ah oui, c'est vrai, on a dépensé nos punto. Qui n'a pas attaqué encore? Elles ont pas attaqué. 95, allez go. On a encore beaucoup de tirs à l'arrière. Hein. Là, on a un petit soin. Et on peut mettre. Alors, elles ont pas tiré encore. Ah non, c'est les séraphines. J'aimerais des sœurs de bataille, s'il vous plaît. Avancez. Finissez-moi ça. Ah, ils sont vraiment costauds. Hein. Avec leur truc qui ressuscite là. C'est assez insupportable, disons les choses. Tout ça c'est de la séraphine. Il faut qu'on s'envole là et qu'on se bouge un peu. Toi tu peux plus avancer, on est d'accord. On va envoyer elle devant, tant pis, c'est comme ça les filles. Putain, ils reviennent quoi. Quelle bande de saloperies. Allez, c'est bon, ils cassent les roubignoles. Il y en a d'autres là-bas, des dépeceurs. Voilà, c'est bon. Toi, tu te tournes par là. Là. Oh, c'est pas bon, ils sont encore revenus. Oh là là. C'est ouf, hein. Il en reste un là, il en reste un là. Dès qu'on a fini lui, on peut avancer dans la zone. Qui va pouvoir s'en occuper? Tiens, là on a des exorcistes. Avance d'une case et tu seras nickel. 81%, allez 80% ça passe. Yes. Propre. On peut faire la même avec lui peut-être. 76%. Un petit peu moins d'XP, donc un peu moins de précision. Et il touche quand même, parfait. Comme ils ont déjà ressuscité, il vient plus nous casser les 1, voilà. Toi tu viens là. Tu vas me finir ça s'il te plaît, 87% de chance. Ok, parfait, on avance. Là on est encore couvert par eux, mais on a des sorts de bataille ici à 91%. Allez, 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 ils reviennent pas là, c'est bon. Oh, mais si. Oh purée, quoi. Ça y est. On avance. On avance, on les fixe. Là, on se met un peu en sécurité. Les Célestines sont bien là, on va avancer plutôt elles. Toi, t'avances. Toi, t'avances. 86 pour tirer là-dessus, on va prendre les munitions bénies histoire de faire un peu plus mal. Si on les oblige à se re-téléporter, ça va. Ah, deux qui reviennent quoi. Si on les oblige à se re-téléporter, ça les fait cramer des points d'action en fait. Alors il reste personne, bah go. On a réussi à mettre du monde. Ok, on leur a mis moins 30. Ce qui veut dire que on est quand même pas mal. Parfait, il active notre surveillance ici, c'est ce qu'on voulait, on va pas le tuer mais on va lui faire mal quand même. Deuxième attaque, c'est la fin des arcs-flagellants. Ils ont plein d'impulsions mais ils sont morts. Pas de chance pour eux. Mais c'est quoi le truc là? Protocole du passage des cycles. Plus 1 de mouvement, plus 1 de dégâts contre les. Enfin d'armure contre la distance.
ont toujours du mal. Hein. Ils ont vraiment. Enfin, cette IA là en tout cas. L'IA des Nécrons neutres, on va dire, est correcte. Mais alors, l'IA des Nécrons là, elle est vraiment pas possible quoi. On a tué que 29 unités, sachant qu'il y en a quand même encore beaucoup. Il était à 2200, hein, je crois, de force. Donc, ici c'est le petit assaut, on s'y attendait. On fera un petit soin, c'est pas grave, on riposte. Et encore du monde, ici aussi. Ah là il tire. Ok, ça tire tout là-bas. Wow. Ça fait mal ça, le snipe d'unité QG là. Il y a encore du répondant. Hein. Alors, déjà, comment on peut se placer? On pourrait mettre lui ici pour cramer. Mais ça, ça a combien d'armure? 6 d'armure. Et l'enflamme a quand même 3 de perforation. Et lui, je pense que si on met de la place, on peut l'amener jusque là. 1, 2, 3, 4. On pourrait l'amener jusque là si on fait de la place. Allez là, on va cramer un peu ici. 53 de PV, c'est honnête. Les séraphines, elles vont là. Elles vont allumer ça. Ok, lui, il est nettoyé, ça c'est très fort. On va soigner un peu la sœur ici. L'hôtel est là. On va soigner un peu ici. On charge, ouais, ici ça me va bien. Pas de riposte quand on charge. Hein. Allez, tuez-le. Non, ok, très bien. Bah, tuez-le pas alors. C'est comme ça, hein. Aucun qui ressuscite. Allez, avec un peu de bol. Ils ont ressuscité sur la charge, j'ai pas vu. Non, il ressuscite maintenant. 3 unités et l'autre saloperie est ressuscite quoi. Allez, crève. Voilà, merci. Du coup, est-ce que toi, tu peux aller jusque là? Non, tu peux pas aller jusque là, dommage. Est-ce que tu peux faire un truc sympathique ici? Ici en diagonale, là. C'est pas mal, c'est même mieux parce que celui-là est déjà bien endommagé. Ok, cette unité-là, il n'y a rien qui ressuscite, ça, ça fait plaisir. Alors là, on a de la séraphine, nos sœurs sont là, complètement bloquées malheureusement. Action supplémentaire, bah écoutez, on va lui mettre un petit coup d'épée du coup. Voilà. Et un deuxième. Hein, pourquoi s'embêter? Hop. Par contre, vu qu'il y a. Alors c'est ça qui nous a snipé, les factionnaires. Épée d'hyperphase, non, c'est pas ça. C'est un truc encore plus loin. Là, on va protéger. Ici, on fera rien, malheureusement. Là, si je bouge, de toute façon, je vais activer leur zone. Donc, autant attaquer. Nos missiles, qu'est-ce qu'ils donnent là? 81. Allez, 81.
mine de rien, même s'ils ressuscitent et qu'ils se soignent, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts, comme dirait l'autre. Ok, pas mal. Ça me plaît pas trop d'avoir elle devant là. Donc on va commencer à prendre la zone. Ici, il faut qu'on finisse ça. Ils ont beaucoup de PV, hein. Allez, toi là. Même si t'as pas grand chose, tu peux finir ça. Ça ressuscite, ça ressuscite. Mais non! Quel enfer! Est-ce qu'on peut se faufiler quelque part là? Ici, mais on n'aura pas d'angle. Tant pis, on va prendre une petite attaque, on s'en fout, on se soigne. On va les envoyer là, elles. Tronçonner un petit peu de l'enfoiré. Tu te tournes. Voilà, ça c'est fait. Ici, on peut progresser également avec nos séraphines. Les exorcistes, on les avance. On va se déployer un petit peu sur le flanc pour avoir du tir. Alors, est-ce que ça vaut le coup de donner un point d'action quelque part? Non, pas vraiment. Il y a là où on peut toucher à 96% là-bas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a vous. 86% ici, 91% là. Allons-y pour le 86, on prendra les sorts de bataille pour allumer là. Allez, oh oui, bien. J'aime quand c'est la dernière balle qui achève l'ennemi. Ici par contre on les achèvera pas, ils sont full life. Mais on leur fait mal quand même. Et la sœur supérieure peut peut-être les finir du coup. Il revient. Sale bête. Là on va baquer, l'hospitalière elle peut tirer à 86%. Ici du coup on va aller là et on va essayer de finir ce sympathique ennemi que nous respectons totalement, n'est-ce pas? Non, ce Xenos pourri. Allez, pour l'empereur. Ah bah oui Nécron, on était en défense quand même hein. C'est normal qu'on essaie de courir hein. Si t'arrives au compte-goutte, tu assumes. Ah, ils ont tenté une charge là. Nice. Ce serait bien qu'ils commencent à être un peu agressifs. Bon, après, ils ont mangé, mais. Mais c'est bien joué, hein, avec toutes les cifs qu'il a, cramer les zones. Par contre, on leur a fait peur apparemment. Ils ont peut-être un truc, hein, les scarabées, qui font qu'ils font n'importe quoi. Hein. Ouh, belle précision là, la vache. Bien joué les filles. Oh, j'adore le petit bruit de mâchoire quoi, quand ils attaquent. Tu sens bien qu'ils bouffent l'ennemi. Ah, ça c'est du guerrier, c'est toujours pas eux qui nous ont snipé. Peut-être eux là, les immortels. 4 de portée optimale, bon, ça serait chaud quand même. Je vous ai fait aussi mal à une telle distance. Les factionnaires ils font pas plaisir là avec leur. Ça c'est bien joué ça. Avec leur gros bouclier et leur épée énergétique là. Ah si, c'est eux je pense, c'est le gendarme qui m'a snipé ma sœur ça.
J'aime bien la petite baïonnette de haut. Ouh, il y en a d'autres. Des immortels, des trackers. 6 de portée. Ah, ou alors c'était des trackers qui se planquaient quelque part là. 6 de portée optimale, ça commence à faire. Hein. Par contre, perte de précision 15 par case. Waouh! Ça c'est dur. Ça c'est 10 par case, ok. Et eux du coup, 7 par case. Ouais, non, je pense que ça devait être des immortels. Ça serait bien de les soigner, elles, et puis de charger. On a une hospitalière qui est pas si loin en plus. Alors là, on pourrait jouer et aller dans leur dos là. Oh, c'est beaucoup de PV hein. 80 PV. Toc, on se met là, on se faufile ici. On soigne. Et là, on charge. Coucou. C'est pas mal. C'est pas si mal. Y a pas de placement ouf pour une machine, là peut-être. Là c'est pas mal. Oh, les deux qui reviennent quoi. Bah, on va leur faire un deuxième lance-flamme, hein, qu'est-ce que vous dites. Bon, ils résisteront plus. Hop, elle est cramée. Avancer une case, yes. Parfait, on fait une bonne ligne de front là. Il y a eux qui sont un peu dans notre dos, mais qu'on va gérer. Là, il reste une petite nuée de scarabées. Ici, on active ça et on va les grignoter un peu. Et vous, si vous pouviez me les terminer, j'apprécierais. Parfait. On va faire le petit boost de dégâts. On charge là. Là on va tuer ceux-là. Et du coup on va pouvoir prendre un petit peu, mettre des zones de contrôle à droite à gauche. Allez, on y va avec notre épée là sur eux. Ils ont voulu s'infiltrer, qu'ils souffrent. 30% de dégâts et en plus on a notre PA. On va pouvoir les finir. Allez, même s'ils ressuscitent là, normalement je peux le terminer. Il y en a un qui ressuscite. Normalement là c'est bon. Parfait. On va te placer là. J'aimerais qu'on place une séraphine ici. Voilà. Toi, tu vas aller là parce qu'il faut qu'on soigne ceux-là. Là. Mine de rien. Une Célestine sur les côtés. Une Célestine par là. Il faut faire mal à eux encore. Hein. On va activer les munitions et on va essayer de les terminer. Ils ont vraiment plus beaucoup de vie, c'est parfait. On avance, toi tu viens là. Tu leur redonnes un petit point et on va essayer d'allumer là-bas. Ils sont costauds mais on leur fait mal. Ah, ça calme hein. Bon, les malins. Ça ressuscite, ça ressuscite. Et bah c'est reparti. Oui, on est à 80, bah parfait. Encore mieux, ça c'est fait.
On les a repoussés une nouvelle fois. Et on a perdu par contre un arco-flagellant, mais vu qu'on voulait plus ou moins s'en débarrasser, c'est pas très grave. On va arrêter l'épisode là du coup parce qu'il est largement assez long. C'était une belle bataille, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!